je tombe très rapidement amoureuse et en général c'est genre à fond. Niveau sentimental, on est à fond quoi. C'est soit il y a tout, soit il y a rien. Mais alors voilà, c'est les opposés. J'ai déjà. C'est une vidéo avec Pidip où en fait on l'avait tournée chez elle dans sa cuisine. Ma caméra, les ISO s'étaient déréglés et les images étaient irrattrapables. Enfin, c'était horrible, c'était trop moche. Du coup, j'ai abandonné et là on va peut-être la retourner d'ici quelques jours. J'ai jamais. Non, je suis pas très prank. Enfin, des petits pranks, ok, mais en vrai, ça a jamais mal tourné. Et... non, en vrai, non. Question piège, parce que tu sais qu'en ce moment j'ai un crush et du coup genre on en rigole beaucoup et tout, mais là du coup ils vont vouloir décrypter en mode ah là là. Non mais si, j'ai déjà, même au lycée ou au collège. Non, si, j'ai déjà, en vrai. Bon, j'ai déjà, j'ai mon bac, mention rattrapage, un bac ES, mais tout bêtement en fait je me suis foirée sur une épreuve surtout qui m'a été fatale. J'ai dû rattraper 17 points, c'est tout bête comment j'ai loupé, mais bon. J'ai déjà. C'est vrai que de base, je suis pas très très cuisine, parce que j'ai pas la patience, surtout pour cuisiner pour moi-même, mais à partir du moment où je dois cuisiner pour quelqu'un d'autre, non, j'ai déjà, ouais, j'aime bien cuisiner pour quelqu'un d'autre. Qui dit, genre des fois, ça m'arrive de lui demander comment on fait ça, comment on fait. Si d'ailleurs, on avait fait une vidéo sur sa chaîne où tu vois, où j'étais en mode, bah attends, mais ça, comment on fait, tu vois. Non, ouais, puis là-dessus, ouais. En vrai, j'ai déjà cru, parce que ça m'intéresse, hein, j'aime bien, tu vois, regarder les petites concordances et tout, je trouve ça amusant. Après, je m'y fie pas trop, tu vois, parce que sinon je rentre dans un délire ou... mais en vrai, peut-être un petit peu. Non, par contre, j'aime bien, pas forcément les horoscopes, mais tu sais, lire les trucs où ça te parle du caractère de la personne et tout. Moi, je suis poisson. On est horrible, hein, genre, dans le sens où on est, en général, on est hyper sensible. Moi, je suis hyper sensible. Je tombe très rapidement amoureuse et en général, c'est genre à fond. Niveau sentimental, on est à fond, quoi. Soit il y a tout, soit il y a rien, mais alors voilà, c'est les opposés. Après, je pense qu'on est très créatif quand même et très imaginatif. Ouais, on est un petit poisson. J'ai jamais, je l'ai eu. Ouais, j'ai une voiture et tout, j'adore conduire et je touche du bois. Pour l'instant, j'ai jamais eu d'accident, mais ouais, j'adore. J'ai déjà. Ça m'est déjà arrivé de rage quitte le jeu, même de pleurer en live parce que j'avais trop peur. Parce que en fait, j'ai peur des fonds marins, donc Subnautica laisse tomber. Et Outlast, j'ai eu un screamer, je me suis mise à pleurer, j'ai Alt F4. Mais en fait, j'ai peur de beaucoup de choses. J'ai peur de tout ce que je ne connais pas. Bah, pareil pour l'espace et tout. Tu vois, par exemple, tu m'envoies dans une fusée et tout, je pense que je meurs de panique. Tout ce que je ne connais pas et ce que je ne peux pas voir et ne pas contrôler, ça me fait peur. En vrai, j'ai déjà. Bah, c'est bizarre parce que du coup, j'ai pas mon permis ni rien, mon permis moto. Mais ouais, la moto. J'adore. J'adore la moto, j'adore. Parce qu'en fait, bah, depuis toute petite, mon père me faisait monter derrière lui en moto. Ouais, c'est une passion. Je sais que si je passe mon permis moto, bah, on me voit plus, quoi. Je fais le tour du monde en moto, quoi.